On est le vendredi. Non, n'importe quoi. On est le samedi 8 août ou le 9 août 2020, un truc comme ça. Je crois que la dernière fois que j'ai filmé, c'était au mois de janvier. J'ai pas ressorti ma caméra depuis parce que j'ai plutôt fait du son. Que j'ai eu des petits moments un peu compliqués, on va dire. Donc là, ça y est, je me suis dit, je vais ressortir la caméra. Y compris pour montrer que j'ai déménagé, mais que mon chevreuil est toujours là. Avec un petit détail contemporain. Tout est noir, tout est noir. Et on est au mois d'août. Comme on atteste mes tongs. Qui ne sont pas mes tongs, mais tes tongs. Tes tongs. Il fait 38 degrés aujourd'hui, c'est pour ça que t'es pas bien, mon petit chat. Et t'es pas bien aussi parce que t'as eu une trachéite bronchite qui t'a rendu aphone, paraît-il. Tu refais des journaux filmés? Bah, c'est mon premier depuis 8 mois. Ça va, bon appétit. Merci. Merci. On a filmé mes pieds. Ouais. C'est vrai que les choses violettes, c'est bien. Violettes, ça ressemble à ma tête. Non, non. Ah, c'est la mauve. Mauve? Mauve. Mauve. Oui, mais t'as vu le masque avec moi, en fait. T'as vu? On va jouer comment on l'aime ensemble, c'est moi qui l'aime. C'est vrai que les voitures ont besoin de ça. Enfin, tu sais, c'est une cabine, quoi. C'est quoi, Marie-Roland? Ah, c'est trop... On dirait que j'ai fait de la chirurgie esthétique. C'est trop drôle. Pote, tu peux venir dans le champ de la caméra, s'il te plaît? Tu vas me raser quand? Bah, quand tu veux. Moi, je vais bosser d'abord un peu. Oh non! Bah si, mais non, mais c'est pas que tu prennes la douche. Qu'est-ce que c'est? Moi, je voulais juste te filmer. Je pense qu'on voit mes crottes de nez si tu me filmes en dessous. Faire un zoom, gros zoom. T'as des crottes de nez? Bah, je sais pas, sûrement. Je j'ai pas mouché ce matin. Tu te mouches tous les matins? Non, ça dépend. Ça dépend de l'humeur du matin. Hugo, tu t'es fait piquer par une guêpe, ouais. Soi-disant. C'est ce qu'il nous dit, mais nous, oui. On est. Il y a encore le dard, il y a la preuve. Là, tu, on va essayer de. Est-ce, ouais, est-ce que tu peux zoomer sur le dard? Ouais. Pour que j'ai une preuve au cas où je meurs. Là, je suis censée voir un dard. Juste là. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Je l'ai entendu. Elle était sur ma lèvre comme ça et j'ai ah purée. Voilà. Ah, dans, ah la shame, région, la shame. Je crois que c'est le meilleur plan que j'ai fait en 10 ans quoi. J'attaque les guêpes moi, j'attaque. Oui, bravo, c'est bien. C'est bien de filmer en conduisant. Je me félicite. Pourquoi les Mexicains marchent-ils aux toilettes? Marchent-ils? Non. Ah, mangent-ils aux toilettes? Je sais pas. Parce qu'ils aiment manger épicé. Ils aiment manger épicé. Ah, je l'avais pas. Ah, ok. Pas mal. Je peux passer la caméra dans la. Ouais, je vois ton reflet quand tu pisses. Et alors? Ça intrigue. Si tu veux le mettre en couverture sur le journal. Là, je peux voir l'arrière de ta tête qui est mal rasée. Merci. Salut Marie. Du coup,
ce test book, c'était plus assez voyeur pour toi, tu t'es dit je vais passer en reality live show. Oui. Du coup, tu fais de la trottinette électrique. Oui. Oui. Je pensais pas que t'étais un mec comme ça. Je sais pas quel type de mec je suis, moi. Tu peux en faire là. Dans le couloir. Non, je peux pas faire de la trottinette électrique dans mon couloir, Marie. Pourquoi ? Pourquoi ? Je te trouve très peu coopératif. Ah bon ? Moi, je te trouve plutôt coopératif. Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même. Qu'est-ce que tu manges là ? Rien. Bon. T'aurais pas volé mes fringues par hasard ? Je sais pas pourquoi tu dis ça. Est-ce que toi t'as des chaussettes avec des trous comme ça ? Non, ça c'est estampillé Mathieu Van Herzel. Par contre, les pantalons de Baba Cool, ouais. Bobo Cool, je viens de recevoir un message de Quentin qui garde nos chatons à la maison. Mathieu, j'aimerais bien que tu lises le message, que tu le découvres en direct, s'il te plaît. Lis-le à voix haute. Franchement, relou les chats. Ils ont chié et pissé dans le lit de Mathieu. C'est abusé qu'ils vous les aient pas filés, sevrés quand même. Tu devrais leur demander un dédommagement. C'est exactement ce qu'on va faire, cher Quentin. On va l'appeler. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Oui, bonsoir, j'appelle, j'ai vu votre offre sur Le Bon Coin, des chatons qui pissent partout, je serais intéressé par votre offre. Je suis pissologue. Je fais actuellement une recherche en bac plus 8 sur les chatons qui pissent sur les matelas de flamands. Merci beaucoup, vous pouvez me rappeler sur le 06 68 22 32 41. Merci beaucoup, bonne soirée à vous, cordialement, au revoir. J'espère qu'il va l'écouter. J'espère aussi. On est en train de rigoler parce qu'on est genre en vacances alors que Quentin il est en train de galérer à des trucs à la mer. Il a plein de nos chats et genre on se marre de ouf et on fait des blagues sur ce répondeur. C'est incroyable. Pétrus! Il est où? Il est con ce chat, c'est pas vrai. Écoute, je vais te prendre et puis je vais te poser ici. Oui! Arrête de râler, viens ici là. Et où ce connard? Je vais réessayer parce que. Mais l'autre, tu l'as pas vu tomber ? Non. Attends, viens, viens, viens. Mais tu vas bouffer la lampe ou quoi ? Ah ! Ah ! Il est là ! Ah ! Ah ! Où ? Ah ! Là, 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 là ! Tu. Mais attends, je. Attends, attends. Attends, parce que moi, je veux pas que tu l'énerves.
Alors on est actuellement à Ouin, qui est, selon la pancarte, l'un des plus beaux villages de France. Mathieu, est-ce que t'es content d'être à Ouin ? C'est la Maltirs. C'est ça, c'est ce qu'on appelle le Ouin-Ouin. Bon, t'es encore en train de râler parce que t'as vu des œuvres d'art qui te plaisent pas. Tu peux m'expliquer quel est le problème avec ce magnifique plat de spaghetti ? Je sais pas, ça devrait être interdit. Et cette petite fille qui mange une glace bleue. Le mieux dans le magasin, c'est le petit nain ailé. Ça, c'est... Il manque juste une moustache de Staline et puis c'est parfait, c'est le réalisme socialiste. Mais oui, ça doit être une seule ou un seul artiste, quoi. Emma. Tu vois ce qui se passe quand les femmes font de l'art ? C'est forcément moche. Mais là, c'est marqué Didier Georges. Ça va. Et en plus, le comble, c'est que ces gens-là, ces artistes du dimanche, là, ils gagnent mille fois plus de fric que des gens qui font des bons trucs, tu vois, genre. Des jeunes qui viennent sortir des beaux-arts et tout, mais qui n'ont aucun débouché et tout. C'est trop... L'allégorie de l'Église catholique pédophile, pédocrimine, pardon. Swift and sudden fall from grace, sunny days seem far away, cram and saddle belittling me. Silence tumbles, won't let me be. On and on and on it came. Wish the rain would just let me be. Jeanne, ouais. Tu fais quoi, Jeanne? Je fais une petite tarte de citron. Pour l'anniversaire de quelqu'un? De Monsieur Cassel. Mmh. Je suis même pas sûr qu'il aime bien en plus. Mais c'est vrai, je connais par cœur, mais tout le monde aime bien la tarte aussi. Ouais, grave. Et s'il aime pas, il fera semblant. Ouais. De toute façon, il quittera pas la table tant qu'il aura pas fini son assiette. Voilà. Ah, c'est trop joli, ça. La couleur est trop belle. J'adore. On dirait du safran. Oui, magnifique. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Pierre. Joyeux En fait, j'ai 27 ans, pas 28. C'est pas vrai. Raph, tu peux montrer qu'est-ce que t'es en train de lire ? Oui, bien sûr. Je lis Noël Châtelet, Le baiser d'Isabelle. Mmh. Très sympa. Alors, est-ce que t'es la plus belle pour ton corps d'été ? Là, je suis sur les hontes qu'on avoue qu'à Cosmo. Parce qu'il n'y a qu'à Cosmo qu'on avoue ça. Est-ce que quelqu'un peut mettre jeter un truc dans l'eau, tu sais, pour les faire bouger? Attends. Genre là, par là, tu vois, genre là, il y en a plein. Enfin, ouais, non, en fait, ils sont partout. Merci. Ça dépend de la récolte, quoi. Donc, il dit pas, c'est jusqu'à temps quand tu commences, quoi. Ouais, d'accord. Après, toi, tu peux dire, bah, moi, par contre, j'enchaîne, tu vois, des fois, les autres, enfin, moi, il y en avait qui enchaînaient avec d'autres tafs saisonniers. Ouais. Et où ils disaient, bah, là, je peux plus être là. D'accord. C'est trop bien le pédale autobogan, quoi. Il y en a plein. Waouh. C'est ouf, hein. Quatre, cinq,
Approche pas trop près. Là, on commence ? Ouais. Non, ouais. Attention, là, c'est un grand moment, quoi. Un TGV arrive droit sur nous, à 300 km/h, probablement. Raph et Pierre vont essayer de faire klaxonner le conducteur. Coucou. Yes, trop bien. Élise, je te sers en soupe. C'est bon. Tu m'as servi. Ah bah super. Là. Il a été servi aussi. Il a son petit bol de soupe. Là, il est tout tristou. Raph, tu veux de la soupe? Ouais. Tu veux beaucoup d'alphabet ou pas beaucoup d'alphabet? Oh, moitié. Trop bien.